Sébastien da Soledad. Da Soledad, c'est avant tout une voix mielleuse, nasillarde, qui a baladé les gendarmes d'Agen pendant des mois. Au téléphone, il se faisait appeler Laurent et il n'était pas avare de détails. Un bouton, une petite culotte à fleurs, une adresse, des indices pour mettre les gendarmes sur sa piste. Celle d'un violeur qui a terrorisé une région et s'en est pris à 5 femmes de 12 à 60 ans. À ce jeu du chat et de la souris, Laurent a perdu. Quand il a été arrêté, la terreur d'Agen n'était plus qu'un freluquet qui baissait la tête. À Artigues, comme dans la plupart des villages autour d'Agen, c'est le car scolaire qui ramène les enfants le soir chez eux. Ce 14 décembre 1998, il est presque 18h, quand Émilie descend du bus. Elle n'a qu'une centaine de mètres à faire pour arriver chez elle. Mais ce soir-là, quelque chose dérange l'enfant. Elle ne se sent pas seule. Elle s'est retournée, elle a vu un homme qui marchait de l'autre côté de la route, mais dans le même sens de marche qu'elle. Et à peine s'était-elle retournée qu'elle a vu, cet homme arriver en courant. Il l'a saisi par les bras. Elle a essayé de crier, mais elle a tellement eu peur qu'il n'y a aucun son qui n'a pu sortir de sa bouche. Et il l'a amené de force à côté de l'église, à côté du cimetière. L'homme entraîne Émilie au fond du cimetière, à l'abri des regards. Il pousse l'enfant sur une tombe. Il avait des gants, il avait des vêtements sombres, il avait un gros cutter. Elle était tétanisée par la peur, cette jeune fille. Elle était déjà dans un autre monde, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle a pensé que sa dernière heure était arrivée. L'homme la rassure. Il ne va pas la tuer, à condition qu'elle fasse ce qu'il lui dit. Il lui a demandé de se déshabiller. Elle n'a pas voulu. Il l'a fait, il l'a contrainte, et à peine l'avait-il déshabillée, et il l'a violée sur la pierre tombale. Émilie a 12 ans. Quand son calvaire prend fin, son agresseur la menace. C'est là qu'il a commencé à agir, on va dire, au niveau psychologique, à parler de son petit frère, de sa petite sœur, qui les connaissait, qui savait où elle habitait. En lui disant bien qu'il était hors de question, qu'elle porte plainte et qu'elle dise quoi que ce soit à qui que ce soit, parce qu'il la retrouverait, il savait où habitait sa famille et il réglerait le compte à tout le monde. À peine l'a-t-il lâché qu'Émilie rentre chez elle en courant et elle raconte tout. À ses parents d'abord, puis aux gendarmes d'Agen avec un sang-froid impressionnant. Elle n'était pas du tout effondrée, elle était au contraire calme, comme si elle racontait quelque chose qui ne s'était pas passé, on va dire, dans un passé proche, mais au contraire quelque chose qu'elle avait eu le temps d'assimiler déjà. Elle a pu quand même nous donner une description assez précise, dans le sens, elle nous a décrit quelqu'un de pas très grand, les cheveux qui lui cachaient les oreilles, qu'il avait une très mauvaise dentition, qu'il n'avait pas d'odeur particulière. Des cheveux bruns, des yeux marrons, une quarantaine d'années, Émilie donne assez de détails pour établir un portrait robot. Michel Louvet, vous dirigez la section de recherche d'Agen en charge du viol de la petite Émilie. L'enfant a été très précise sur les faits. Êtes-vous certain qu'elle ne connaissait pas son agresseur ? À travers les réponses que la jeune fille donne, elle nous paraît très mature. Elle répond à ce qu'elle sait répondre. Si elle ne sait pas, elle ne répond pas. On est persuadé qu'elle ne connaît pas la personne. Et ce qui nous renforce encore dans cette idée, c'est que si l'intéressé avait été sûr d'être connu, je ne sais pas s'il aurait laissé partir la jeune fille ou il aurait mis une cagoule. Et il a prémédité son coup. Il a fait des repérages. Il a repéré. Il est passé plusieurs fois devant. Elle l'avait vu à 2 ou 3 reprises. Elle lui avait dit bonjour parce que c'est quelqu'un de très poli. Elle l'a vu rôder dans le coin. Elle l'a vu passer sur la route devant chez elle, tout simplement. À plusieurs reprises ? À ma connaissance, à 3 reprises, oui. Mais sans plus, quoi. Il n'y avait pas de conversation d'engager avec lui, quoi. Et puis il a parlé de son frère, de sa sœur, de ses parents ? Oui, ce qui veut dire qu'il l'avait observé, peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Elle a vu son visage. Est-ce qu'elle vous donne d'autres renseignements
plus particulier. Oui, il a un cutter, il a des gants de jardinier, il a un jean, il a un blouson de survêtement. Elle est assez précise dans la description. Elle est assez précise, ce qui est remarquable pour une enfant de 12 ans. Vous retrouvez des traces ADN? Oui. Sur la scène de crime? On retrouve des traces ADN sur le sous-vêtement de la jeune fille, c'est du liquide séminal simplement. Donc ça va nous donner un ADN. Mais l'ADN ne va pas nous donner de nom, puisque à cette époque, l'ADN démarrait, il n'y avait pas encore le fichier national des empreintes génétiques, il n'y avait pas non plus le fichier des délinquants sexuels. Donc cet ADN ne donne pas de nom, donc on va partir tous azimuts, par l'enquête traditionnelle, on va commencer par faire un environnement très proche, et on étend petit à petit notre enquête de proximité, toujours en ne négligeant pas que ça peut être quelqu'un de passage. À Artigues, les voisins d'Émilie sont bouleversés. Ils racontent qu'ils ont vu un homme rôder près du cimetière, mais ils ne savent pas qui c'est. Les gendarmes sortent leurs archives. On a fait un listing de tous les délinquants sexuels connus sur Agen, et à l'époque, il n'y avait pas de fichier, on était bien en retard au niveau de ce type d'information. On a présenté donc ces photos à la petite, ça n'a rien donné, et comme on dit, on se retrouve, on est sec, hein, on n'a rien. Les gendarmes utilisent alors la presse locale. Ils diffusent le portrait robot accompagné d'un numéro vert. Mais les semaines passent sans résultat. Jusqu'à cette soirée de février 99. Sur ce numéro vert, le 16 février, en fin de soirée, on reçoit un appel. Ça va recommencer à la fin du mois. Un appel bizarre. Bon, on n'y prend pas attention. Un détraqué qui appelle, qui a vu ce numéro dans la presse, on n'y fait pas attention. Un quart d'heure après, sur un ton ironique, comment elle va, la petite d'Artigues? Elle a panique. L'homme au bout du fil est-il l'agresseur ou est-ce un mauvais canular? Les gendarmes se posent la question quand l'individu rappelle. Au troisième appel de la soirée, on reçoit, toujours sur le même numéro, d'une voix mielleuse et puis ironique. Elle avait un pantalon très doux, je l'ai aidé à lui enlever son pantalon, il était très doux son pantalon. Tout à son plaisir de détailler l'agression, l'homme donne un indice aux gendarmes. Vous avez ramassé le bouton qui se trouvait à côté d'elle? On l'a cherché ensemble. Donc là, on recherche nos scellés, on appelle les parents, on prend la petite au téléphone. Est-ce que tu as ramassé? Oui, c'est vrai, j'ai perdu un bouton de mon manteau et on l'a cherché tous les deux. Là, coup de tonnerre, c'est notre agresseur qui nous appelle et qui nous nargue. Seul l'agresseur pouvait connaître ce détail. Les gendarmes ont localisé l'appel. Il vient d'une cabine téléphonique à Agen. Ils s'y précipitent, mais à leur arrivée, personne. Et pas la moindre empreinte à relever. Dès le lendemain, la section de recherche est sur les nerfs. L'homme a menacé de recommencer et rien ne peut l'en empêcher. Pour l'agresseur, le jeu ne fait que commencer. Deux jours plus tard, nouveau coup de fil. Cette fois, c'est André qui prend l'appel. Il est très calme, très posé. Il a une voix un peu nasillarde, avec un fort accent du Midi. André tente de le mettre en confiance, pour le faire parler, pour qu'il lâche des informations. Je lui propose donc d'échanger nos prénoms. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne un nom ou un prénom. Donc... J'y allais, vraiment, c'était un coup de bluff, quoi. Et donc là, il me dit, moi, je m'appelle Laurent. Entre Laurent et André, le lien est établi. Le gendarme sera désormais son principal interlocuteur. Un dispositif de traque se met en place. André était en contact avec lui. On avait une autre personne à côté qui, elle essayait de localiser la cabine téléphonique dès les premières secondes de l'appel. Et on avait des systèmes de surveillance qui intégraient entre 20 et 35 enquêteurs en civil sur le terrain. On avait quadrillé la ville d'Agen. Sur une carte de la ville, les gendarmes ont repéré toutes les cabines téléphoniques. Sur le terrain, dans des voitures banalisées,
des hommes en civil enchaînent les planques. Donc on fait un repérage visuel des cabines et on se met en poste. Donc le travail de flic, hein, donc, dans les voitures, sous l'eau, au bout de 10 minutes de la buée dans les véhicules, on n'y voit plus rien, griller les cigarettes et puis on attend que notre collègue nous appelle, en espérant qu'il appelle. Les gendarmes planquent tous les soirs, pas une cabine d'agent n'est laissée sans surveillance. Mais l'homme fait le mort. Son silence dure depuis 2 mois, quand le 16 avril, il appelle à nouveau. Cette fois, les gendarmes sont prêts. Ils enregistrent son coup de téléphone. Oui, gendarmerie, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que André prend son service? Ah, vous pourrez le contacter demain matin. Oh. Vous êtes qui, monsieur? Vous savez très bien qui je suis. Et jubilé parce qu'il sentait bien que c'était lui qui tenait les rênes, qui menait la danse. Et on aurait dit qu'il était en quête de notoriété, quoi. L'aplomb de Laurent met les nerfs des gendarmes à rude épreuve. Ils vivent désormais au rythme de ses appels, de plus en plus réguliers. Dès que l'opérateur avait l'appel, il nous appelait dans les véhicules et on partait... comme des canuts sur la cabine téléphonique. Et puis, bien sûr, à chaque fois, bam, chou blanc. Plusieurs fois, on est passé très très près. On est arrivé avec quelques secondes de retard, mais on n'a pas pu l'interpeller de cette façon-là. Les gendarmes ratent leur coup. Mais Laurent est dérangé par cette surveillance. Il change de ton. Là, il rentre dans une autre optique. En nous menaçant. Vous direz à André que la prochaine fois qu'il va sonner aux portes des gens, qu'il fasse attention, il faut regarder en face, il faut tenir les pare-balles de la part de Laurent. La tension commence à monter parce que est-ce qu'il ne va pas devenir dangereux? Est-ce qu'il ne va pas, comme on dit, nous en allumer l'un quand même? Cela fait maintenant 5 mois que Laurent se paye la tête des gendarmes. 5 mois qu'il les met sur le grill. Il va recommencer, c'est sûr. Mais où? Quand? Qui sera la prochaine victime? Les enquêteurs sont sur les dents, mais ce n'est que le début du cauchemar. Début juin, le 9 juin, on reçoit un autre appel. Et là, il nous dit « je vous ai laissé un petit cadeau dans la cabine téléphonique. Vous allez voir, ça va vous intéresser. » L'appel provient d'une cabine située à l'extérieur de la ville, dans le village de Saint-Julien. Des gendarmes s'y précipitent et ce qu'ils y trouvent leur fait froid dans le dos. Là, on voit un jogging d'enfant. Donc tout de suite, on fait la relation, on dit ça y est, il est repassé à l'acte, il a rechopé un gamin. Laurent vient de frapper une nouvelle fois au nez et à la barbe des gendarmes. Et il s'en délecte. Donc, à Saint-Julien, vous avez trouvé mon petit cadeau de la part de Laurent? Il vous a plu, hein? Je me demande comment elle l'a fait pour rentrer. Un t-shirt et une petite culotte blanche avec des petites fleurs. Hein? Elle a dû oublier de vous appeler. J'ai le haut ici. Vous avez déjà repéré la cabine, je présume? Passez le bonsoir à André. Je peux vous dire que dans la nuit, vous dormez pas... Vous dormez pas très bien, vous avez toujours cette voix dans votre tête, là. C'est assez impressionnant, surtout c'est cette voix très, très nasillarde et ironique, jubilatoire, qui se fout de nous complètement, qui se fout de nous. Les jours passent, personne ne porte plainte. Sur le jogging, aucune trace ADN. Les gendarmes sont dans l'impasse. Ils vont alors demander l'avis d'un psychiatre pour établir le profil du type qui les nargue. Il ne faut pas cacher quand même le fait qu'on était tous soumis à une très grande perplexité et un très grand étonnement vis-à-vis de tout ça. Le jeu avec une petite fille, les vêtements d'enfant laissés dans une cabine téléphonique pouvaient laisser supposer qu'on avait affaire à un véritable pervers, structuré, prédateur, nous orientant vers un profiling, je dirais, de pédophile extrêmement inquiétant. L'homme est difficile à cerner. Ses coups de téléphone révèlent une personnalité aussi sadique
que masochiste. Sans doute ce jeu de cache-cache, il avait à la fois une dimension un peu de manipulation, un peu perverse, parce qu'évidemment il y a un jeu qui s'était engagé entre les gendarmes et le voleur en quelque sorte, mais c'était surtout une espèce de dynamique qui visait un peu finalement à se faire prendre. L'homme en question avait amorcé une espèce de dynamique autopunitive. Dangereux, complexe, ambigu, Laurent déstabilise les gendarmes. Il réalise qu'il a inventé cette histoire de jogging juste pour corser le jeu. Personne ne venant pour déposer plainte à la gendarmerie, on est arrivé à émettre l'hypothèse qu'il avait fait ça pour jouer avec l'équipe d'enquêteurs chargée du dossier. Lors des appels suivants, Laurent n'évoque même plus l'affaire. Le 11 juin, il aiguille les gendarmes dans une autre direction. Je vais vous donner un petit tuyau. J'ai été témoin un jour d'une scène. Vous savez ? Oui. J'ai la réponse affichée à l'ancienne quincaillerie Fabre. La quincaillerie Fabre, l'une des plus anciennes d'Agen. En arrivant devant la vitrine, les gendarmes comprennent tout de suite. Dominique, c'est donc cette affiche que les gendarmes découvrent sur la vitrine de la quincaillerie Fabre. Oui, Frédéric, c'est cette affiche et sur cette affiche, la photo de la petite Marion. Cette photo, on la connaît tous, on l'a vue dans tous les lieux publics en France, on l'a vue jusque sur nos packs de lait. 10 millions de packs de lait ont été vendus avec la photo de Marion, Marion Wagon. On rappelle les faits, le 14 novembre 1996 à Agen. Marion Wagon a 10 ans. Elle rentre déjeuner chez elle et elle se volatilise entre l'école et le domicile de ses parents. Le 14 novembre 1996, c'est 3 ans avant que l'agresseur de la petite Émilie ne harcèle les gendarmes de coups de fil anonymes. Et les gendarmes donc, qui enquêtent sur Émilie, ils connaissent bien cette affaire aussi. Hein. Malheureusement, oui, parce que c'est la même équipe, la même section de gendarmerie, section de recherche qui travaille sur la disparition de Marion. Ils ont même d'ailleurs un groupe dédié qui s'appelle le groupe Marion et qui depuis 3 ans cherche des informations et ne trouve rien parce que les gendarmes n'ont ni trace ni indice. Alors autant dire que quand arrive dans le paysage le violeur d'Émilie et qu'on essaie ou on fait un rapprochement entre lui et Marion, ça ouvre de nouvelles perspectives à l'enquête, de nouvelles pistes. Si c'est un tueur en série, ça change la donne. Ça change la donne, oui. Ce qui fait que la réaction va être immédiate. Les gendarmes d'Agen vont recevoir le renfort de 30 gendarmes qui arrivent de Bayonne et qui vont les aider à faire des vérifications du porte-à-porte, des comparaisons et qui vont les aider aussi à surveiller ces fameuses cabines téléphoniques. Après l'agression de la petite Émilie dans un cimetière, la mise en scène abjecte dans la cabine de Saint-Julien, les gendarmes savent que l'homme est capable de tout. On se dit que tout est possible, étant donné son profil, il est capable d'avoir enlevé Marion également. Dès lors, la gendarmerie d'Agen se partage en 2 équipes. La cellule Marion, renforcée, se concentre sur la piste d'un prédateur pédophile. Les gendarmes de la section de recherche, eux, partent dans une autre direction. Lors de son dernier appel, Laurent a livré un nouvel indice. C'est bizarre que mademoiselle Gillard ou Killard qui habitait face à la gare dans les HLM, c'est bizarre qu'elle ait déménagé, vous trouvez pas ? Une patrouille se rend dans le quartier de la gare, au pied des immeubles dont l'homme a parlé. Sur les boîtes aux lettres, pas de Guillard ni de Gillard. Mais les gendarmes apprennent qu'une madame Girard a habité l'immeuble. Donc aussitôt, on effectue des recherches auprès du propriétaire de l'immeuble qui est situé en face de la gare d'Agen. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, cette dame a bien habité dans cet immeuble et qu'elle a déménagé. Comment l'agresseur sait-il que cette femme a changé d'adresse ? Pourquoi orienter la section de recherche sur cette piste ? On rentre en contact avec cette dame et là, surprise, on s'aperçoit que 6 mois avant l'agression de la petite d'Artigues, cette dame a été agressée par un homme. Traumatisée par l'agression, elle a quitté la région. Les gendarmes prennent la route et vont l'entendre. Véronique Girard, dans quelles conditions avez-vous été agressée à Agen en août 1998?
bien, une personne a sonné à l'interphone. Il s'est fait passer pour un voisin à qui le facteur lui avait remis un colis. Et donc, il m'a demandé s'il voulait me l'apporter. Je lui ai dit oui, et il n'y avait pas de problème. J'ai ouvert ma porte et là j'ai vu surgir un homme cagoulé en noir, mettre un coup dans la porte pour pas que je puisse la fermer et me plaquer au sol. Vous vous retrouvez donc au sol par terre, est-ce qu'il vous frappe ? Il ne me frappe pas, non. Il me coince les bras pour pas que je lui enlève le bas et il m'asperge de la bombe lacrymogène. Donc j'étais complètement immobilisée et j'essayais... de coincer la porte avec mon pied pour pas rester coincée seule avec lui chez moi. Et il m'a dégagé la porte et là on était seuls ensemble. Et vous avez compris ce qu'il voulait ? Pas du tout. J'avais mon sac sur un meuble derrière moi et je savais pas s'il voulait mon sac ou s'il voulait faire des choses avec moi. Je savais pas du tout. Mais à un moment, il y a une personne qui avait dormi chez moi la veille, une amie, qui m'a dit « je repasse à la fin du travail ». Et donc, elle insistait à l'interphone parce qu'elle se demandait pourquoi je ne répondais pas. Et donc, il est parti vite fait et mon amie est arrivée. Et dans quel état elle vous a trouvé ? Les yeux rouges, en pleurs, complètement paniquée, j'arrêtais pas de crier. Et j'ai déposé plainte 3 jours après. Vous pouviez décrire votre agresseur ? Il était grand, mince, il avait des bras très fins, pas musclés comme un homme. Il ne portait pas de bijoux, il avait un t-shirt vert et un pantalon blanc. Cette agression vous a tellement marqué que vous avez décidé de quitter Agen, c'est ça ? Oui, 3 mois après. J'avais peur d'une récidive. Et le soir, les premiers temps, je dormais avec des casseroles devant ma porte, tellement que je devenais parano, pour me dire que s'il devait rentrer, ça ferait du bruit. Et je sortais dans la rue avec un couteau. Un an plus tard, les gendarmes vous font écouter un enregistrement. Et je reconnais sa voix. Véronique Girard a reconnu la voix. Son agresseur serait bien celui qui a violé Émilie. Pourtant, le mode opératoire est différent. Ce qui nous a choqué lors de l'audition de Madame Girard, c'est le fait que l'individu avait été particulièrement violent avec elle, alors qu'avec la petite Émilie, il n'y avait pas eu de violence ni de brutalité physique. Un autre élément laisse les gendarmes perplexes. L'écart d'âge entre les deux victimes. Quand on a eu les informations sur la petite d'Artigue, on s'est plus ou moins cantonné au départ sur un pédophile. Mais là, on s'apercevait que c'était une personne qui s'attaquait aux gamines de 10-12 ans et aussi aux femmes, aux jeunes filles de 20 à 25 ans. Ça a mis les enquêteurs dans l'embarras, cette affaire-là. Parce qu'on part toujours sur le principe, qu'il s'agisse de violeurs en série ou de tueurs en série, qu'il y a un profil victimologique relativement stable. Donc ça posait question. Il y avait une espèce de variable très importante d'ailleurs entre la première et la deuxième victime. Face à cette incohérence, le psychiatre avance une hypothèse. On a considéré sans doute aussi qu'il fallait mettre ça en lien, l'agression d'une victime mineure, avec le relatif échec de la première agression sur une victime majeure. Donc on a considéré qu'en fait ce deuxième passage à l'acte était une manière pour le sujet de se rassurer de pouvoir engager avec une victime beaucoup plus vulnérable un passage à l'acte dont il était à peu près assuré qu'il serait réussi. L'analyse du psychiatre inquiète les gendarmes. Laurent ne peut que récidiver maintenant qu'il a pris confiance. À chaque appel, les enquêteurs guettent l'erreur, le détail qui leur permettrait de l'arrêter. Mais après le mois de juin, les coups de téléphone cessent. Et puis passe l'été, juillet, août, rien. On se dit pourquoi il n'appelle plus le néant. Le néant, est-ce qu'il est parti en vacances ? Est-ce qu'il est parti à l'étranger ? Est-ce qu'il est emprisonné ? 3 mois sans nouvelles, comme si Laurent avait renoncé. Mais au début de l'automne, l'homme va de nouveau passer à l'acte.
12 octobre sur les hauteurs d'Agen. Il fait encore beau et toutes les fenêtres de la résidence des Fontaines sont grandes ouvertes. Marie, une femme de ménage de 57 ans, s'active dans l'appartement de ses employeurs. Je faisais des vitres et à un moment donné, j'ai entendu un bruit sourd. Quelque chose qui tombe sur un plancher ou quelque chose comme ça, dans la chambre de l'enfant. N'entendant plus rien, j'ai avancé. Et en avançant, face à moi, j'ai un homme cagoulé, cutter à la main, qui avait sauté par la fenêtre. Là, j'ai cru, vu qu'il avait le cutter à la main, qu'il allait m'égorger, quoi. J'ai dit, là, je vais mourir. Marie s'effondre en larmes. Elle supplie l'homme de ne pas lui faire de mal. Et il m'a pris par le bras et il m'a mené à la cuisine. Et mais où est l'argent? Où est l'argent? Donc j'ai cru voleur. Et il y avait de l'argent sur le bar. Et il a pris cet argent. Marie pense que l'homme est un voleur et qu'il va s'en aller. Mais l'agression ne s'arrête pas là. Il me reprend par le bras et là il me mène vers la chambre. Là il m'a demandé à genoux. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire, ce qui allait m'arriver, quoi. J'avais toujours dans ma tête que même s'il me faisait faire quoi que ce soit, après, il allait m'égorger, quoi. Terrorisée, Marie essaie quand même de garder le contrôle. Elle demande un préservatif, ce qu'il accepte. Et quand il exige plus qu'une fellation, elle lui tient tête. Et donc, après, à un moment donné, il me demande de baisser le pantalon. Et là, j'ai dit non. J'ai dit que j'étais malade. J'ai dit non. Puis il m'a dit, mais continue. Une fois arrivé à ses fins, l'homme prend la fuite. Là, il est parti. J'ai tout fermé. Et... puis j'ai dit, maintenant, il faut sortir. Et là, quand je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à me rincer la bouche avec de l'eau de Javel. Rien que même si j'avais du contact, c'était... Choquée, Marie ne raconte son viol qu'à ses proches. Elle ne veut pas en parler aux gendarmes. C'est difficile de faire la démarche, d'aller le dire, penser qu'on va être jugé par les uns, par les autres. De ne pas s'être défendu, de s'être rabaissé, quoi, en quelque sorte. Poussée par une amie, Marie surmonte sa honte. Le lendemain, le 13 octobre, elle porte plainte. On fait quand même la relation avec notre agresseur dans le sens où il est relativement violent, il est masqué et il porte un cutter. Et la description physique correspond avec ce que l'on avait avec les autres agressions. Même physique, même accessoire. Mais la section de recherche a à peine le temps de finir ses constatations sur la scène de viol qu'une autre femme vient porter plainte. Le 14 octobre, en plein après-midi, une femme se présente à la gendarmerie. Une femme d'une soixantaine d'années, au sang-froid exceptionnel. Bon, cette dame m'a marqué parce qu'elle venait de subir un viol très, très pénible. Et cette dame avait... tout intériorisé et puis elle avait plein d'éléments à nous fournir. Elle était très, très posée dans sa narration des faits. Elle était vraiment extraordinaire, cette dame. Sans larmes, sans débordement, Françoise raconte ce qu'elle vient de subir. Elle est infirmière libérale et en début d'après-midi, elle est tombée dans un guet-apens. Françoise reçoit un appel téléphonique d'un homme qui lui demande de passer à son domicile pour une piqûre. L'adresse se trouve sur les hauteurs d'Agen, tout au bout d'un chemin. Quand elle se gare, les lieux lui semblent bien vides. Mais l'infirmière suit les indications que l'homme lui a données. Lorsqu'elle s'approche de la maison, elle sent une présence derrière elle. Elle est brusquement saisie par derrière par un individu porte un bas sur la tête. Cet homme met sa main sur sa bouche et la force à rentrer à l'intérieur de la maison et ferme la porte à clé. La maison est en travaux.
Françoise sait que personne ne viendra à son secours. Il fait jeune quand même, donc elle essaye d'engager la conversation. Et qu'est-ce que tu veux? Tu me fais pas de mal. Non, je te ferai pas de mal. Il y a une conversation qui s'engage. Il lui dit de se laisser faire et que si elle se laisse faire, tout se passera bien. L'homme lui arrache sa carte bleue, son argent liquide et saisit Françoise par le poignet. Et là, il la ligote, il l'allonge au sol et là, c'est très bien qu'elle va être violée. Après le viol, l'homme ressort le cutter qu'il avait rangé. À ce moment-là, elle a pensé que peut-être l'homme sortait cette arme pour la tuer. Et donc forcément, elle a à ce moment-là senti beaucoup de terreur. Mais le cutter ne sert qu'à couper les liens. Françoise est libre, elle file à la gendarmerie. Ce mode opératoire, les gendarmes le reconnaissent tout de suite, c'est celui de Laurent. Cette agression s'est déroulée à 500 mètres de la précédente. Ils savent désormais où chercher. On se dit, c'est la personne, notre agresseur, il connaît les lieux, il connaît parfaitement les lieux. Il est capable de décrire une maison, il a fait un repérage pour connaître les lieux. Soit il y travaille, soit il y habite. Donc on a commencé à cibler un peu notre environnement. Les gendarmes prélèvent alors l'ADN de tous les hommes qui travaillent dans ce quartier du nord d'Agen. Facteurs, livreurs, employés EDF, pour le comparer avec le seul ADN dont ils disposent, celui qu'ils ont retrouvé sur Émilie. Michel Louvet, vous êtes certain que l'agresseur de la femme de ménage est le même que celui qui a agressé l'infirmière? Oui, on en est pratiquement certain, parce que d'abord les lieux sont espacés de 300-400 mètres à vol d'oiseau, et ensuite l'intéressé, quand il nous a appelés, nous avait indiqué qu'il commettrait un fait dans ces lieux-là. Donc on est certain de pouvoir rapprocher les deux affaires. Et pour Émilie, est-ce que l'agresseur de ces deux femmes est le même que celui qui a violé la petite fille? Alors, oui, parce qu'on va retrouver un ADN chez la femme de ménage, c'est-à-dire on va retrouver un poil pubien grâce au travail de police technique, et les deux ADN sont identiques. Donc là, on est sûr, ces deux faits sont avérés. L'homme, donc, a déjà agressé à 4 reprises. Est-ce que son mode opératoire évolue? Oui, alors on a constaté que son mode opératoire s'était fortement modifié. C'est un type qui a acquis de l'expérience, parce que la première tentative de viol dans Agen, il a une bombe lacrymogène, c'est dans un immeuble. La deuxième fois, quand il viole la petite Émilie, c'est dans un endroit isolé. Il n'a plus une bombe lacrymogène, il a un cutter. On fait un portrait robot. Les viols suivants, il aura une cagoule. Ce type-là a progressé en permanence. Il prend de l'assurance. Il prend de l'assurance. Il est très dangereux. Vous décidez d'alerter les médias. Qu'est-ce que vous attendez de la presse? Alors j'attendais deux choses de la presse. D'abord, on n'était pas capable de l'arrêter, donc il nous paraissait normal de sensibiliser les gens, que les gens prennent des précautions. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on n'avait pas suffisamment de renseignements, on n'arrivait pas à mettre la main dessus. Donc on attendait que des gens viennent nous donner des nouvelles, viennent nous donner des renseignements, ce qui a été le cas. La peur, voire la psychose, s'est installée à Agen. Les enquêteurs sont formels, c'est un seul et même homme qui est à l'origine de la série d'agressions sexuelles commises à Agen depuis un an. Voici l'homme le plus recherché de la région d'Agen. Et le violeur attise la psychose, il nargue la police. Cagoulé, ganté et menace ses victimes avec un cutter. L'homme est présenté comme cynique et pervers. Désormais, tout le monde sait qu'il est là, tapis quelque part. Les femmes dans la ville d'Agen n'osaient plus sortir seules. Elles sortaient quand elles étaient accompagnées par leur compagnon, leur conjoint ou un membre de la famille. Elles ne sortaient plus seules. C'était très tendu sur la ville. Un portrait robot grossièrement dessiné, le principal atout de ces gendarmes dans leur recherche. Porte à porte, ils arpentent les rues d'Agen, l'espoir que le portrait soit enfin reconnu. Ça vous dit rien? Mais bon. Vous essayez de l'imaginer avec des cheveux en moins ou des cheveux en plus ou une paire de lunettes? Je vous dirais que moi, je suis toute seule et je ne sors pas. Hein. Je me tiens fermée le plus possible. Les gendarmes ont peu d'éléments à diffuser pour décrire le violeur. Mais ils en ont un de taille, sa voix. On a fait une cassette, on a fait passer cette cassette dans les brigades du Lot-et-Garonne. Charge aux enquêteurs d'aller faire écouter cette cassette à des personnes chez qui le kidam moyen va
continuellement, c'est-à-dire médecins, coiffeurs, les mairies, les petites mairies qui connaissent leur population, les maires, les secrétaires de mairie. Donc une foule d'individus sur le Lot-et-Garonne a écouté la voix de notre agresseur. Fonctionnaires, commerçants, employés de banque, ils sont tous convoqués pour écouter la cassette. J'étais opératrice en télémarketing au sein d'un organisme bancaire. Nous sommes rendus à la gendarmerie pour écouter un échantillon de voix afin de voir si nous étions susceptibles de reconnaître cet individu dans le cadre de notre activité. Je me demande comment elle a fait pour rentrer en t-shirt et en petite culotte blanche et des petites fleurs. La voix ne dit rien à personne, mais les mots de Laurent et son ton malsain attisent la psychose. Premier sentiment que j'ai eu, c'est cette voix m'inspire le dégoût. On a mesuré l'ampleur du danger que cet homme pouvait représenter. Ça touchait tout type de femme, donc de la plus jeune à la plus vieille. Personne n'était à l'abri. Ça pouvait être un voisin, ça pouvait être n'importe qui, on ne savait pas qui c'était. Mais c'est ça, il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait rien. Et donc en gros, il fallait se méfier de tout le monde, quoi. Plus les jours passent, plus la tension monte. En cheville avec les gendarmes, la presse multiplie les articles et diffuse le plus possible le portrait robot. Ce matraquage médiatique atteint particulièrement une jeune femme. Une autre personne se présente à la brigade en disant ben j'ai été violée aussi. J'ai pas voulu le dire, mais quand j'ai vu la presse, quand j'ai lu la presse, ça va trop loin, j'ai été violée le 6 octobre, c'est-à-dire avant le viol de la femme de ménage. Cette femme s'appelle Karine. Elle raconte qu'elle s'est fait agresser chez elle le soir. À peine le temps de rentrer qu'un homme était derrière elle. Après, même scénario. Le bas sur la tête, les gants, le cutter et le pseudo-cambriolage. Elle pense qu'il va partir. Et à ce moment-là, il ressort le cutter qui avait été posé pour le cambriolage. Il le ressort. Et en lui disant tout se passera bien, il lui explique qu'il va la violer. Incapable de résister physiquement, Karine tente de le raisonner. Elle va même dire après qu'elle a l'impression que cette discussion qu'ils vont avoir va être ce qui va l'exciter, en fait. Il la laisse en état de choc. Elle s'enferme chez elle et c'est durant la nuit, puisqu'elle va rester seule toute la nuit, que petit à petit, les choses vont se mettre en place dans sa tête. À ce moment-là, elle va penser à sa famille, à qu'est-ce qu'ils pourraient dire s'il ne faut pas qu'ils le sachent, parce qu'ils vont avoir de la peine s'ils apprennent ce qui m'est arrivé. Paralysée par la culpabilité, Karine attend le 19 octobre pour parler quand elle découvre l'histoire de la petite Émilie dans le journal. Son agression dans le même quartier que les autres renforce la conviction des gendarmes. L'homme travaille dans le coin. La maison était vraiment isolée, il fallait vraiment... Fallait connaître, aller à cette maison pour savoir que cette dame habitait là. Fallait prendre un chemin, la maison était invisible, fallait se trouver dans ce chemin-là pour savoir qu'une personne de sexe féminin, seule, vivait ici. Ce qui correspondait avec l'analyse que l'on avait faite avant, ils connaissaient les lieux et c'était toujours dans le même secteur. Persuadés que l'agresseur vit ou travaille dans le nord d'Agen, les gendarmes intensifient leurs recherches dans le quartier. Porte à porte, planque, prélèvement ADN sur tous les hommes qui ont le profil, un travail de fourmi qui prend un temps fou. L'agresseur a frappé 3 fois en 2 semaines. Les enquêteurs savent qu'il y a urgence. Et la chance leur sourit enfin. Depuis que Karine a porté plainte, les gendarmes écument le quartier sur les coteaux de l'Ermitage, sans résultat. Mais 3 jours après, Karine revient les voir affolée. Elle vient de croiser un livreur de journaux dans l'avenue Delpech. Il porte les mêmes chaussures que son agresseur. Pendant l'agression, elle avait regardé ses chaussures. Elle avait peut-être même à un moment donné fixé sur les chaussures. Ce
qui fait que immédiatement ses chaussures, quand elles croisent, attirent son regard. Et en même temps, puisqu'ils vont se croiser sur le même trottoir, elle va se dire que le gabarit de la personne correspond, que peut-être sous le bas, les cheveux, ils étaient à peu près de cette couleur. Karine n'est sûre de rien, ce n'est qu'une intuition. Mais le métier de l'homme colle parfaitement à l'hypothèse des gendarmes. Ils ciblent les livreurs de journaux de cette rue. En pratique, ils étaient trois livreurs de journaux dans ce quartier-là. Et donc, ils ont regardé après quels sont ceux de ce quartier-là qui avaient fait aussi le quartier des autres victimes. En quelques jours, par recoupement, les gendarmes identifient deux hommes. Ils en connaissent un. C'est l'un des professionnels du quartier qu'ils ont déjà entendu. Ils ont déjà prélevé son ADN. Et les conclusions du labo ne devraient plus tarder. En urgence, ils mettent en place une surveillance rapprochée de ce livreur. Le 29 novembre 1999, les résultats tombent. Le laboratoire nous appelle. L'ADN positif sur une personne que vous avez prélevée. Notre homme qui nous avait tenu en haleine pendant un an, qui avait violé plusieurs fois, qui nous appelait au téléphone, c'était la Soledad Sébastien. Sébastien da Soledad, un jeune père de famille de 30 ans qui n'avait jamais fait parler de lui. Le soir même, une patrouille fonce chez lui dans le quartier de la gare. Quand il le cueille, l'homme n'oppose aucune résistance. On a fait une courte présentation. Je lui ai dit « Bonjour Laurent, c'est André ». Il a tout de suite baissé la tête. Il savait instantanément pourquoi on était là. Il a très bien compris que le jeu était terminé. Face à l'homme qui les avait manipulés pendant des mois, les gendarmes tombent de haut. Je m'étais imaginé quelqu'un d'autre avec sa voix. Il m'avait fait tourner en bourrique, comme on dit, pendant un an. C'était quelqu'un de violent. Et puis en face de moi, j'avais une personne chétif, très jeune, qui faisait pas son âge, qui baissait la tête. Et vraiment, qui avait rien à voir avec un prédateur comme on l'imaginait. Le 29 novembre 1999, la terreur d'Agen n'est plus qu'un jeune homme apeuré au fond d'une cellule. Michel Louvet, le violeur d'Agen est enfin sous les verrous. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à un type qui vous a baladé comme ça pendant plusieurs mois? On est surpris, si vous voulez, parce que c'est pas le personnage... C'est pas la terreur auquel on s'est imaginé. Voilà, tout à fait. Mais bon, beaucoup de satisfaction, oui. À la fois pour nous, puis pour les victimes, surtout, qui ont eu beaucoup de courage en venant nous voir. Et lui, il s'est laissé arrêter facilement? Il n'y a pas eu de souci, il s'est fait arrêter facilement. Il faut reconnaître qu'entre le moment où on lui prélève l'ADN et le moment où on vient l'arrêter, il va s'écouler quasiment un mois et demi. Donc il sait qu'il est verrouillé avec l'ADN. Et honnêtement, je crois qu'il est au bout quand on vient le chercher, quoi. Il attendait tous les jours qu'on vienne le prendre, quoi. Et parce que justement, vous l'avez croisé déjà dans votre enquête, un mois et demi avant, en octobre. Vous le convoquez donc pour prendre son ADN. On le convoque en fin de matinée, je crois qu'il arrive à 11h30. C'est un collaborateur qui est chargé du prélèvement. Il discute un petit peu, il veut savoir pourquoi. Donc mon collaborateur lui explique. Ça finit par bien se passer, on fait le prélèvement. Et quand j'arrive, c'est un samedi, je vois ce type qui traîne dans les couloirs, quoi. Donc il me dit qu'il a perdu son portefeuille et il se demande s'il l'a pas laissé là le matin. Donc on va regarder dans le bureau, on ne trouve pas le portefeuille, il repart. J'avoue que j'ai le gyrophare qui s'allume dans la tête. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? À mon avis, il venait reprendre l'ADN. Ça vous a mis la puce à l'oreille, mais vous ne l'avez pas arrêté pour autant? J'avais une enquête à préserver, si vous voulez. J'avais deux faits avec de l'ADN, trois faits sans ADN. J'avais pas du tout envie de perdre du temps de garde à vue à le questionner sur les faits sans ADN. Et vous ne l'aviez pas reconnu? Il correspondait au portrait robot? Pas tant que ça. Un portrait robot, c'est toujours une image assez figée. Hein. Et sa voix? Parce que quand même, sa voix, vous l'avez entendue pendant des semaines, vous l'avez eue dans l'oreille. On l'a entendue, on se l'est repassé, on a entendu. Alors j'étais allé voir un directeur de théâtre et un professeur de musique pour leur faire entendre la voix. Et les deux avaient dit que ce type-là parlait un ou deux octaves au-dessus de sa voix normale. Et c'est vrai, ça? Et c'est vrai, oui. Après, quand on va l'arrêter, il va avoir un tic verbal, je crois qu'il dit tout à fait. Donc on l'arrête, il rentre dans le bureau, on lui dit quelque chose, il dit oui, tout à fait. C'est ce qu'on entendait sur les appels téléphoniques, quoi. En garde à vue, Sébastien da Soledad doit s'expliquer sur les crimes de Laurent, son double. L'homme
ne cherche même pas à nier les faits. Quand Da Soledad nous parle des viols, il en parle d'une voix tout à fait neutre. Il n'exprime pas de, il va pas nous exprimer de remords. Il ne va pas exprimer de sentiments de honte, ni de sentiments de fierté. Il exprime ce qu'il a commis d'une voix tout à fait neutre. Il raconte l'agression de Véronique Girard, les viols d'Émilie, de la femme de ménage, de l'infirmière, de Karine. Il va même jusqu'à s'accuser de 3 autres viols avant de se rétracter. Ces 3 viols n'ont pas eu lieu. Dès le lendemain, la ville qui l'a traumatisé découvre son visage. Sébastien Da Soledad, marié et père d'un bébé de 18 mois, vient d'avouer ses crimes devant le juge. Les crimes du violeur en série qui nargue les gendarmes d'Agen depuis 1 an. Il a reconnu avoir agi à 5 reprises, 5 victimes âgées de 12 à 60 ans. C'est quelqu'un d'abord qui reconnaît tout avec un luxe de détails tel d'ailleurs qu'il n'y a aucune raison de pouvoir même mettre en cause ses aveux. Hein, puisque le bon nombre des détails qu'il indique n'étaient jamais parus dans la presse pour la bonne raison que vous les ignoriez sans doute. Et puis, qui donc, fournissant ce luxe de détails, c'est difficile de croire à des remords qu'il n'exprime d'ailleurs même pas. Pas de regret non plus pour ses coups de téléphone. L'homme avoue juste qu'il avait besoin qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui a besoin de ça pour exister, en fait, qui est en quête de notoriété, qui a besoin de se sentir important et qui, peut-être dans la vie courante, justement, n'a pas tout ça, quoi. Gardé à vue et mis en examen pour viol sous la menace d'une arme, l'homme a subi des tests ADN pour que soit prouvée sa culpabilité. Dans les jours à venir, il devrait être interrogé sur l'affaire de la petite Marion, dont il a dit être un témoin important et savoir où elle se trouve. Dominique, pendant ses premières auditions, Da Soledad a reconnu toutes les agressions pour lesquelles il était recherché. Et Marion, alors ? Eh bien, la juge va lui poser la question. Elle va lui poser des questions sur les 23 appels téléphoniques qu'il a passés aux gendarmes, appels anonymes, dont un qui l'intéresse particulièrement. C'est celui qu'il a passé le 11 juin, c'est le 19e appel, ce fameux appel où il dit aux gendarmes « Allez à la quincaillerie Fabre, j'ai la réponse à la question » et où les gendarmes vont trouver la photo de Marion sur la vitrine. Alors pourquoi a-t-il orienté les gendarmes sur cette affaire ? Par cynisme, Frédéric. Par cynisme, parce qu'il voudrait se faire passer pour un bon citoyen. Il trouve que les gendarmes s'intéressent peut-être trop au viol de la petite Émilie et plus assez, par conséquence, à la disparition de Marion Wagon. Et voilà ce qu'il dit à la juge d'instruction. Il veut leur rappeler leur devoir. Absolument. Fait. Il dit à la juge, il me semblait que les gendarmes abandonnaient l'autre gamine, sous-entendu Marion, et qu'ils ne la cherchaient plus. Je ne voulais pas qu'ils l'abandonnent, car savoir qu'elle peut avoir mal me faisait mal. Et évidemment, à la fin, il se disculpe et il dit à la juge d'instruction « Je n'étais même pas là, je ne la connaissais même pas et je ne l'avais jamais vue, Marion. » J'imagine que les gendarmes et la juge vont vérifier quand même. Oui, Frédéric, et les gendarmes et la juge vont découvrir quelque chose de très intéressant qui va évidemment les intriguer parce que Da Soledad, il a habité le quartier à 500 mètres de l'endroit où a disparu Marion, c'est-à-dire à 500 mètres de l'école, du domicile des parents de Marion. Il était dans ce secteur-là. Et pourtant, c'est pas lui parce qu'il a un solide alibi. Le jour de la disparition, le 14 novembre 1996, eh bien, Da Soledad est aux Antilles, à Saint-Martin. Il est allé rendre visite à son père. Son passeport en apporte la preuve. Il y a une date d'entrée, une date de sortie. Et ce 14 novembre 1996, eh bien, il est juste au milieu. Donc, ça veut dire que Da Soledad n'était pas à Agen le jour de la disparition de la petite Marion, qu'on n'a jamais retrouvée. Au fil des interrogatoires, le dangereux manipulateur, celui dont la voix a hanté les nuits agenaises, tombe le masque. Sébastien est un enfant de la région, un garçon craintif qui a appris très tôt à courber les chines. C'est un garçon dont on disait qu'il n'avait quasiment pas de camarades et que du reste, il ne donnait pas l'impression d'en chercher. Sébastien sait se faire oublier. C'est une question de survie avec des parents tyranniques. Le papa a été décrit comme quelqu'un d'assez autoritaire, directif, dans la maîtrise auquel, lorsqu'il était enfant, il s'est toujours soumis.
Et sa mère a été décrite comme une femme totalement inaffective, prise dans un idéal de maîtrise et de perfection à laquelle il s'est aussi soumis. C'est-à-dire c'est un gamin qui, dès le début, est en position de soumission. Aux humiliations s'ajoutent les cris et les coups. De sa mère, Da Soledad raconte surtout la violence. Il a vécu auprès d'une mère qui était malveillante et autoritaire. C'est dire. Et je crois qu'effectivement, il a été traumatisé par sa relation avec sa mère. Sébastien avait toujours la haine contre sa mère. Il ne m'a pas jamais précisé pourquoi, mais je sais qu'il avait toujours la haine contre sa mère. On voyait que la corde était cassée. Et entre les parents aussi, la corde s'est cassée. Après des années de conflit, ils se séparent. Il était toujours en train de s'engueuler, toujours. Il ne pouvait pas se voir. C'est simple. Et ça, il le disait clairement. C'est une conne, je veux plus la voir. Il le disait clairement. Le père de Sébastien part vivre dans les Antilles à Saint-Martin. Il est entrepreneur et il emmène son fils avec lui. Il l'embauche comme ouvrier, mais avant tout comme souffre-douleur. Son père le rabaissait. Il disait, mon fils, de toute façon, c'est un con, il n'arrivera jamais à rien. Il n'en est jamais venu aux mains. Mais je pense que rien que les mots qu'il utilisait, il n'avait pas besoin d'en venir aux mains. Ça faisait très très mal. Il en arrivait à un point d'hystérie. Il y a des fois, j'étais à côté, mais je pensais qu'il allait le frapper. Il allait le frapper, parce que ça montait très très haut. Et je me souviens même qu'un jour, il a tellement gueulé sur son fils qu'il a fait une attaque. Soumis, Sébastien fait tout ce que son père lui ordonne, même dans sa vie intime. Les premières relations sexuelles, ça a été avec des prostituées qui lui étaient payées et offertes par son propre père. Donc il a eu cette relation-là avec les femmes dès son adolescence. À l'époque, à Saint-Martin, c'était courant de fréquenter des bars où il y avait beaucoup de filles de pays étrangers, surtout des sud-américaines. C'était un petit peu le lieu de rendez-vous de tout le monde. Mais de là à amener son fils pour le dépuceler, plutôt pour qu'il se dépucelle, je pense que c'est la seule personne que j'ai connue qui a pu faire ça. Le père de Sébastien pousse la tyrannie jusqu'à choisir quelques années plus tard l'épouse de son fils. Sébastien m'avait dit qu'un jour il était parti avec lui et que son père lui avait présenté Aïda, elle s'appelait. Il a dit, voilà, tu peux l'épouser, j'ai déjà parlé avec son père, tout est arrangé, ce sera ta femme. Par chance, le mariage arrangé se révèle au fil des mois, un véritable mariage d'amour. Ils étaient amoureux, ça se voyait, mais alors, tout le temps. Je pense que Sébastien lui tardait vraiment que la journée se termine pour aller retrouver sa femme. Elle a connu un garçon aimable, simple, qui ne se signalait par aucune espèce de bizarrerie. On l'a évidemment interrogé sur sa vie intime. Elle a répondu que c'était un mari aimant, attentionné. En 97, Sébastien rentre en métropole et s'installe avec sa femme près d'Agen, à Aiguillon, chez sa mère. Mais la cohabitation dégénère. Madame Da Soledad avait traversé une période difficile pour elle-même, un peu dépressive, anxieuse, face à cette belle-mère terrorisante. Donc, on a quand même l'impression là que le profil de la mère est toujours là, c'est-à-dire la mère, elle est toujours en transparence. Quoi. C'est psychose d'Hitchcock. Quoi. Mais cette fois, Sébastien se rebelle. Le couple part pour Agen. Et quelques mois plus tard, en juillet 98, il donne naissance à une petite fille. Cet accouchement, Da Soledad dit qu'il a eu du mal à le supporter. Il a fait ressurgir une haine du corps médical qui remonte à son enfance. L'histoire semble anecdotique, mais l'angoisse qu'il montre en la racontant intrigue les gendarmes. Il nous a fait part du fait qu'à l'âge de 9 ans et demi, il avait subi une importante blessure à la cuisse
qui avait nécessité 30 points de suture. Sa mère l'avait amené chez le médecin de famille, lequel aurait suturé la plaie sans l'anesthésier, donc générant une souffrance énorme à ce moment-là, qui l'aurait particulièrement choqué. Il va vivre chez le médecin généraliste, cette espèce de mélange comme ça, de fascination et d'horreur, quand le médecin généraliste va le recoudre minutieusement, lui disant des choses que sa mère lui avait dites dans le passé. Il ne faut pas se plaindre, on n'a pas droit à la parole. C'est grosso modo le leitmotiv, c'est-à-dire la parole est barrée, elle est interdite. Ce traumatisme justifierait sa colère envers les blouses blanches. C'est pour ça qu'il se serait attaqué à une infirmière et à la petite Émilie, qui est fille de médecin. Mais son explication ne convainc pas les gendarmes. Au fil des interrogatoires, ils vont pousser Da Soledad à révéler ce qu'il n'avait encore jamais dit. Maître Martial, vous avez défendu Sébastien Da Soledad. Comment explique-t-il tous ces viols ? Je ne sais pas si l'explication qu'il me donne est la bonne, mais ce qu'il exprime à plusieurs moments de la procédure, c'est cette espèce de colère rentrée, de haine, et puis aussi le fait qu'il ait été violé quand il était enfant. Alors justement, cette agression dont il dit avoir été victime, qu'est-ce qu'il raconte exactement ? Il raconte donc un garçon un peu plus âgé que lui, après l'avoir bousculé, après l'avoir violenté, le viol. Et pour parvenir à ses fins, le violeur l'a blessé. Et donc, dans ce avec quoi ? Avec un couteau. Il explique tout ça, il le dit, avec un cutter ou un couteau, et que la blessure, il l'a portée, et que ça a été extrêmement violent pour lui avant que d'être violé. Et qu'il va en garder quelque chose qui est non seulement de la douleur physique, de la souffrance, mais aussi de la rancœur. Parce qu'il a l'impression que chaque fois qu'il dit quelque chose, ou que chaque fois qu'il vit quelque chose de douloureux, personne ne s'en occupe. C'est-à-dire qu'auprès de ses parents, il n'y a aucun écho. Auprès de... Il l'avait dit ? Il semblerait qu'il l'ait susurré. Et sans doute que personne n'a entendu et que personne n'a voulu en prendre la mesure. Et alors cet agresseur, il avait un prénom, je crois ? Laurent, ça revient bien évidemment très fréquemment. Et on sait que le prénom de Laurent aura une certaine importance pour la suite, et notamment dans le scénario qu'il va mettre en place. C'est un épisode utile pour la défense, cette agression dont il aurait été victime ? On s'aperçoit souvent que des criminels reproduisent, à l'occasion de leurs crimes, ce dont ils ont été eux-mêmes victimes lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Mais est-ce que c'était quelque chose qui pouvait émouvoir, puisqu'on en était plus qu'au stade de l'émotion ? Un jury et une cour d'assises, on en était bien évidemment très loin. Moi, ce qui me meuvait dans son cas, ce qui me touchait énormément, c'était la relation au père. Le père, qui était un personnage à la limite du nauséabond, qui amenait son fils dans les bordels aux Antilles dès l'âge de 13 ans, et avec une mère totalement absente, qui est dénigrée, qui est traitée de tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Mais il peut l'avoir inventé, cette agression ? Il peut l'avoir inventé. C'est en tout cas ce que certains ont rapidement imaginé, et puis ce ne sont pas privé d'ailleurs de le dire. Il était pratiquement inaudible. Parler de la souffrance de Sébastien Da Soledad, mais c'était presque... C'était d'un cynisme absolu. Mais je savais très bien qu'en face, personne ne m'écoutait et surtout, personne ne me croyait pour répondre à votre question. Arrêté en novembre dernier par les gendarmes, celui que l'on nomme le violeur en série d'Agen a été amené sur les lieux de la première reconstitution des crimes que la justice lui reproche. Da Soledad a reconnu tous les viols. Mais il nie les avoir préparés. La juge d'instruction organise donc des reconstitutions. Repérage, attente, guet-apens, à chacune de ces agressions, la préméditation semble évidente. Ce souci de choisir sa proie, ce côté un peu prédateur, ce souci de tout le temps calculer, et de poser après pour le reste des actes invariables comme le font les auteurs de crimes, en disant « vous ne parlerez pas, tu ne parleras pas, tu ne me dénonceras pas, je te menace », mais tout le reste en amont, pendant les faits eux-mêmes, et après les faits, font de cet homme-là, un criminel convaincu. Après 3 ans d'instruction,
la juge renvoie Da Soledad devant les assises pour violence volontaire et viol sous la menace d'une arme. Le violeur de Lagenais devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. Début du procès aujourd'hui, Sébastien Da Soledad a reconnu 4 viols et une agression. Le procès de Da Soledad s'ouvre le 9 octobre 2002. Pour les victimes, c'est une libération. Le procès, c'est le moment où on va pouvoir tourner la page parce que lui, il va avoir une sanction. Donc, si lui, il a une sanction, on n'a peut-être pas à se venger. Personnellement, ça permet à la... et donc ça permet de tourner la page. Et surtout pour la victime d'être reconnue comme victime. Lorsqu'elle rencontre les autres victimes au palais de justice d'Agen, Marie ne se sent plus seule, enfin. Quand on est à plusieurs, on se sent moins fautif, oui. Parce qu'on se dit, si on est tout seul, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors que là, on est plusieurs, on se dit, bon, on n'a rien fait, on a subi, quoi. Je pense qu'elles étaient rassurées d'être là ensemble. C'est-à-dire qu'elles avaient tendance à se mettre à côté. Alors que la salle était assez grande, elles s'asseyaient, on les voyait assises à côté. Quand Da Soledad entre dans la salle d'audience, la peur cède à la colère. Marie l'a regardé droit dans les yeux. Quand il m'a agressé, c'était lui le plus fort, mais là, c'était moi la plus forte. Et là, je lui aurais bien tapé un poing dans le nez, mais bien... Mais bon, il ne m'a pas laissé faire. Même je lui ai dit qu'il valait rien, qu'il n'avait plus qu'à se pendre, c'est tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Face aux victimes qui racontent leur calvaire, Da Soledad reste impassible. Il était complètement bloqué, reclus, dans l'impossibilité radicale d'analyser, de demander réellement pardon, de s'exprimer, de rechercher un appui, une compréhension, si vous voulez. Il avait le sentiment, je crois, que personne ne le comprendrait. Véronique Girard, vous décidez d'assister au procès. Que ressentez-vous devant lui? Surtout de la haine et du mépris. Parce que ce qu'il a fait à la fillette, c'est sordide. Est-ce qu'il ressemble à ce moment-là au souvenir que vous aviez gardé de lui? Pas du tout. Pas du tout. Il avait l'air de quelqu'un de normal, pas méchant, non. Au procès, vous apprenez donc qu'il aurait eu une enfance difficile. Est-ce que ça provoque un peu de pitié chez vous? Pas vraiment, non. Parce que moi, j'ai eu une enfance aussi qui n'a pas été facile. Et c'est pas pour ça que j'ai fait du mal à un tel point aux gens. Da Soledad vous a parlé pendant le procès? Non. Pas du tout? Pas du tout. Il s'est excusé? Non. Il vous regardait? Non. La terreur est ancrée pour toujours en chacune des victimes. C'est ce que martèlent à la barre les avocats des parties civiles. Ces femmes-là, elles vont avoir peur tout le temps. Parce que c'est arrivé comme ça, un jour, il n'y avait pas de cause. Et donc, elles vont être en permanence en train de regarder par-dessus leur épaule. D'avoir peur de la sonnerie du téléphone, de la voiture qui ralentit à côté, de la personne qui s'approche de leur maison, du bruit. Et c'est un état de vigilance qui doit être très fatigant à vivre. Très fatigant, cet état de vigilance, et qui peut durer pendant des années. Ces personnes-là, on leur a enlevé une partie de leur liberté. Les premiers témoignages ont ému les jurés, ce qui suit les bouleverse. La déposition de la petite Émilie a été filmée à l'époque des faits. Le président décide de la diffuser. De la façon dont elle racontait, on voyait que c'était une petite fille qui parlait et qui parlait de choses qui ne devraient jamais arriver à un enfant. L'impact de la déposition enregistrée de la petite a été énorme, évidemment, parce que c'est par elle que l'affaire avait commencé. Quand on voit un enfant qui parle du viol qu'il a subi,
comme toutes les dépositions d'enfants, c'est beaucoup les silences qui comptent et ce qu'elle n'arrive pas à dire. Et c'est n'importe qui, on ne s'y habitue pas, n'importe qui est ému. Les autres victimes semblent encore plus touchées par le drame d'Émilie que par le leur. Si j'ai fait le procès, c'est par rapport à la gamine. Parce qu'une enfant, on n'a pas touché une enfant. Moi, j'avais fait ma vie. Alors qu'une enfant, elle est détruite. Et le psychiatre qui a rencontré Émilie insiste à la barre. Le préjudice est immense. C'est un traumatisme très désorganisateur parce que sa seule représentation de la sexualité, ça va être cette espèce de sexualité abominable, violente, sans apprentissage. Il n'y a pas de sexualité sans apprentissage de la sexualité. Il y a les bisous, il y a le flirt, il y a les caresses, il y a les choses comme ça qui vous amènent à la sexualité. Alors que là, un gamin va découvrir en quelque sorte la sexualité sous sa forme la plus menaçante, la plus destructrice et la plus désorganisatrice pour lui. Donc ça peut être générateur de traumatismes absolument abominables. Les jurés quittent la salle, marqués par cette première journée d'audience. Da Soledad, lui, part comme il est venu, la tête basse et sans un mot. Le lendemain, c'est au tour de la défense de prendre la parole. Mais tout le monde garde en tête le témoignage d'Émilie. Franchement, je me suis dit que c'était pas bien parti, que la marge de manœuvre était très étroite. Il ne nous restait guère qu'à faire entendre au jury qu'ils avaient affaire à quelqu'un de singulier, très singulier, et que cette singularité qui avait fait de lui un criminel, il n'en était peut-être pas responsable. Après avoir plaidé l'enfance malheureuse, le viol que Da Soledad aurait subi, la défense n'a plus qu'une carte à jouer, l'altération du discernement. Selon les experts psychiatres, Da Soledad était dans une sorte d'état second au moment des faits. Pour son avocat, c'est une circonstance atténuante, mais l'argument se retourne contre lui. Toute sa défense était là, et je pense qu'elle a mal été entendue, parce que les jurés ont surtout vu quelqu'un de dangereux. Les jurés, qu'est-ce qu'ils entendent la plupart du temps? Ils entendent ce sujet-là est dangereux, et en plus, il est un peu fou. Donc ils majorent les sanctions pénales. Sensible à ce trouble du discernement, l'avocat général n'avait requis que 15 ans de réclusion criminelle, 5 ans de moins que la peine maximale. Mais pour les jurés, pas question d'indulgence. Le verdict est tombé hier soir. Sébastien Da Soledad, surnommé le violeur de la jeunesse, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Lot-et-Garonne. L'avocat général avait requis une peine de 15 ans d'emprisonnement. L'homme était jugé pour avoir agressé une femme et violé 4 autres entre août 98 et octobre 99. Maître Martial, à l'issue du procès de 2002, Da Soledad fait appel. Il me dit « je trouve que c'est sévère, mais en même temps, je sais que je suis coupable et que je dois payer. Ce que j'ai fait, c'est totalement inacceptable, totalement insupportable, etc. » Donc, il y a à la fois le cheminement de la culpabilité qui ne se discute pas, et en même temps, mais personne ne m'écoute, personne ne m'entend, et je trouve qu'ils ont été très sévères. C'est-à-dire, il a pris le maximum, donc il n'a rien à perdre. Je ne sais pas si ça rentre dans ce calcul-là. J'ai du mal à l'imaginer en train de calculer, de calculer, de calculer, de jouer. Mais de calculer un système de cette manière-là, j'en suis pas sûr. Vous dites que votre client n'est pas calculateur. Pourtant, il était quand même un sacré manipulateur avec les gendarmes. Oui, mais pourquoi rejoindre les deux expressions? Je suppose qu'il n'a jamais espéré obtenir 10 ans de moins. Qu'il ait été manipulateur avec les gendarmes, et alors? Je crois que pour lui, le plus important, au-delà des viols, au-delà des crimes qu'il commet, c'est d'exister dans une mise en scène à l'intérieur de laquelle il est l'acteur numéro un. C'est lui qui tire les ficelles. Pour une fois, dans sa vie, c'est lui qui décide
de comment les autres vont se comporter. Et donc, il les promène. Alors, comment construisez-vous votre défense ? Ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est qu'en réalité, les viols existent, mais c'est pour lui presque secondaire. Ce qui l'intéresse en priorité, c'est toute sa mise en scène. Et puis, j'oublie pas qu'il est marié et qu'il a un enfant. Et que dans cet entourage-là, mais c'est une personne qui est décrite comme étant extrêmement attentionnée, voilà ce que je voulais essayer de faire. Bon, encore une fois, est-ce que vous avez été entendu ? J'étais entendu pour un an. On m'a fait un petit cadeau. On a diminué la peine d'une année. En tout cas, il est parti avec sa condamnation. Et puis, il n'a pas davantage crié que l'injustice, voilà. Sébastien da Soledad a donc accepté sa peine, 19 ans pour une agression et 4 viols. C'est maintenant aux psychiatres et aux psychologues d'aider chacun à se reconstruire. Mm-hmm.